Promouvoir l'emploi des jeunes en Afrique, c'est le thème qui réunit 27 experts de pays francophones, anglophones et lusophones d'Afrique à Abidjan. Cette rencontre permettra d'identifier l'efficacité des dispositifs de formation, d'insertion et de création d'emplois. On attend toujours beaucoup de choses, des réflexions sur l'emploi. C'est un problème grave et notre projet, qui est un projet d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes, est intéressé par tous les résultats des réflexions d'experts. Et puis, de manière à pouvoir aller au-delà des réflexions, de mettre en œuvre surtout. La question de l'employabilité des jeunes, c'est une question qui se pose pour l'ensemble des pays de l'Afrique. Je ne pense pas qu'un pays a pu régler cette question d'une manière définitive. Nous sommes dans le cadre de ce séminaire, on voulait échanger avec nos amis des pays africains sur les expériences que nous avons engagées. Et au Mali, nous disposons d'un cadre d'intervention unique pour la formation professionnelle en vue de l'emploi. Donc nous allons présenter ce cadre ici, dire en quoi ça peut aider à l'emploi des jeunes. Le développement des compétences des jeunes, leur insertion dans un emploi qui leur permet de gagner dignement leur vie, le renforcement de leur capacité à créer des activités génératrices de revenus, ce sont là les objectifs visés. Les échanges de ces 27 experts permettront de transformer la jeunesse africaine, estimée à 800 millions en 2050, en véritable force d'avenir pour les économies d'Afrique.